Plusieurs communautés musulmanes vivent à Douala, bien que les communautés musulmanes sont minoritaires. Elles enregistrent de nouveaux venus issus des natifs. En 2014, la région du littoral abritait plus de 3 millions de personnes. Une grande partie de cette population réside à Douala, ce qui pose un problème d'employabilité des nouveaux arrivants pour les autorités de la ville et du pays. Comme les natifs, les musulmans exercent des métiers comme la couture, l'élevage, la cordonnerie, la tannerie. La gestion des ressources locales ne fait pas l'unanimité. Une partie des communautés musulmanes résidentes à Douala pense être discriminée par les pouvoirs locaux en place. Au Cameroun, pour moi, étant donné que je suis nordiste, je ne me sens pas quelque chose d'exclu de la société. Bon, j'entends souvent qu'il y a des petites discriminations, mais cela n'est pas spécifique aux Camerounais. C'est un peu partout, chacun estime qu'il est un peu plus mieux que l'autre. les musulmans sont présents par leurs mosquées dans tous les quartiers de la ville de Douala. Peu importe la confrérie, chiite ou sunnite, les communautés musulmanes à Douala restent présentes à travers leurs associations, banques, radios communautaires.